Bah, de toute façon, cette planète, elle m'aime pas, hein, ça se voit, hein, je te le dis. Toi, t'arrives, t'es là, tu fais OK, ARY26, ça sonne bien, on va s'installer sur ce caillou, et puis on va voir ce qu'il y a de sympa à faire. Et en fait, niveau sympathie, le jeu m'a déjà fait expérimenter pas mal de punitions. Notamment celle des vertiges, qui est super intéressante, mais qu'on subit largement. Et du coup, j'en suis à un passage, si je ne me trompe pas, où je fais le boulet. Oui. J'ai des morceaux de Marcus en main. Et donc, je dois expérimenter à la chaîne le double jump pour m'en sortir. Au début, je croyais que ma combi était humide, mais en fait, non, il fait chaud. J'ai les régulateurs qui sont en panne, donc ça va être le merdier. On va y aller vite, hein. Même si j'ai le vertige, maintenant je m'en fous, quoi. Je suis fou. Je vous flingue pas, les gars. Non, non, non. Not today. Hop là, regardez ça. Oui, on va faire le mode speedrun. Et ce qui serait bien, c'est que je réussisse l'endroit où je suis, en fait, tout simplement. Hop, on y est presque, on y est presque. À tribord toute. Ah, j'ai oublié un truc. Non, je déconne. Je voulais juste mettre une baffe dans l'ostremont. Oui, bah, j'aime bien tarter la nature. Plouch. Merci, au revoir. Allez, ça fait du bien. Comment ça va me porter malheur? Pas du tout. Hop, je récupère mes affaires. Je fais mon méga jump de la foi. Faut que je m'entraîne à les faire comme il faut du premier coup. Il va y en avoir super besoin là où je vais. Je ne vomis pas, je saute dans le vide. Hi-ha! J'adore ça. Oui, je le simule toujours si mal. Yalla. On va vite là-dedans. Pouf. Regardez-moi comme ça a l'air tout confort. On va descendre dans le petit puits, tranquille, zen, paisible. Et on va vite se carapater. Donc il y a quatre bouchons à retirer. Et il faut vite que je remonte. Alors on se dit, ouais, il y a un gombo qui est en train de se préparer au bruit. Ça sonne bien. Non, mais regardez, c'est de la lave, en vrai. Eh oui. Comme c'est la même texture que dans Doom 2, quoi. Oh, comment je suis moqueur aujourd'hui. Je sens que le jeu va se manger, je sais pas pourquoi. Yaha! Non, mais descends. Ah, j'ai fait un méga coup de pied, ça c'est génial. Allez, enlève-moi ça. Enlève-moi ça aussi. Hop. Enlève-moi celui-là. Et puis, je vais t'installer, tranquille. Oui, j'ai trouvé une technique pour essayer que ça se passe mieux, mais c'est la première partie, je gère. C'est la deuxième où j'enchaîne pas comme il faut. Et ça peut être très, très, très ennuyeux. Il est où, Troux? Il est l'axe. Donc, il faudrait que je sois sur la bonne plateforme. Je ne sais rien si c'est la bonne, ça. On verra si le hasard m'accorde un peu de gentillesse. On va dire quoi? Alors, Hugo. Il est où le trou? Merde. Juste un petit problème. Et depuis que tu as redémarré le mécanisme, le niveau de la lave qui alimente la peau recommence à monter. Ah, mais pourquoi je rip à chaque fois? Il y a un bug. C'est pas possible. Bon, faudrait que je me mine le cul, là. Accessoirement. Yes. Et maintenant, il faut un méga jump quand le trou est au-dessus de moi. Ton cul. Wouhou! Alors, il faut vite que je monte maintenant. Gaffe au laser, mais je vais le prendre quand même. Parce que c'est ça un laser, j'aime bien. Hop, on va monter ça. Là, qu'est-ce que je fais? Je vais plutôt, c'est le chien, je vous rappelle, plutôt, faut que je grimpe là-haut. Donc on va prendre notre élan, tranquille. Hein, et on va se faire ça. Là, regardez ce bel synchro. Là, faut vite que je saute sur une autre plateforme, sinon je vais avoir un problème. Ah oh, putain, je vais pas l'avoir, c'est celle-là qu'il fallait que j'ai. Ah, je vais être dans l'âme, dans l'âme, dans l'âme. Reste là, reste là, reste là, reste là. Ah, merde! Je suis dedans. Ouah, ça va mal se passer. Ah putain, je l'avais presque. Vous sentez la tension qui monte?
là. Oh. Oh putain. Je suis dégoûté. Je vais l'avoir dans ce sens, t'inquiète. Hop là. Putain, mais j'ai rebondi contre ta paroi. J'en ai marre. Ok, là. Je suis dessus. Ouais. Attends, il n'y a plus qu'à. Oh putain de non! Et mets-moi là-dessus! Oh, man. Charles! Oh putain, la chérie! Je vais remettre le live en route. Et après, je dirai un chapelet de méchanceté. Comment ça, c'est encore le même passage? Mais pas du tout, regardez-moi ça, le passage, je l'ai vaincu, les doigts dans le nez, la lave est en dessous, et je suis sain et sauf. Ouh, victoire! Alors, ce que vous n'avez pas vu, en fait, c'est le nombre de fois où j'ai fait cette ascension et que ça a foiré. Et où j'ai commencé à partir, quand ça veut pas, ça veut pas, ça vous énerve. Donc, je vous laisse imaginer toutes les expressions que j'ai utilisées pour exprimer mon désaccord. Et voilà. Et j'espère qu'il va pas encore me faire monter de la lave, parce que là j'en ai vraiment plein le... Ok, mais je rentre où, pépette? C'était gentil. 177 mètres. Je vais pas passer là. Ah, une issue, j'avais pas vu. Ah, j'entends un truc. Ok, bon, tout va bien se passer, les amis, je vous le garantis. Ayez confiance. Ayez confiance. Comment ça, c'est un rire hystérique? Pas du tout. Je sais même pas comment je vais descendre d'ici, bordel. Ah, si, à coup de jetpack rétrogradé. Ok. Y aura pas un petit secret à choper pour Bibi? Ça serait cool. Enfin, je m'aventure parce que si la perpète. Je suis pas terrible à avoir envie. Bon, c'est droit devant, je fais trop durer. Ok, on y va, on descend. Hop. Pas trop mal. Et maintenant, on redescend d'ici aussi. Et ça, ça va être moins drôle. Faut pas que je me vautre la gueule parce que... Parce qu'il faut tout simplement pas, quoi. La vie est pas compliquée. Suffit de se laisser guider. Pourquoi je fais des rimes? Parce que je veux ça. Bah ça y est, maintenant que je suis moins en condition de faire tout le temps le même chemin, le vertige refait effet. Yata. Fais rien. Non. L'écoute pas. Ne l'écoute pas. Tu peux sauter en face. C'est fait pour. Comment ça, j'en menais pas large? Je sais pas. Je vais aller au téléporteur amener mes matières, moi, si ça continue. Je blaffe. Et... Attends, je t'ai pas fini, toi. Oui, je vais me venger sur la nature, bien entendu. Regarde-moi là. On n'a pas idée d'avoir une gueule pareille, franchement. Comment ça, c'est du délit de faciès? Totalement. Elle est où, mon entrée, les amis? Parce que je veux bien, mais quand même. Oh, je me défoule un petit coup quand même avant, parce que je sens que je vais servir de déjeuner à quelqu'un. Ça me paraît être évident. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup sauvegarder, en fait. Parce que je veux pas tout me recoltiner, c'est hors de question. Remonter là-haut? Non, allez, on va y aller. De toute façon, c'est un checkpoint, là, on repartira d'ici. Yiha! Ah, ça sent le bonheur. Ça sent le gros désir de toucher cet interrupteur-là qui nous tend la gencive, le mollet, le lumineux. Zone découverte. Une zone où il faudra pas faire de varap, regardez. Enfin, je sais pas à quoi ça sert, ces trucs, mais... C'est sûr qu'il faut que je touche ça? Non. Ça a pas tellement l'air fait pour. Hein. Y a rien au plafond. Si, y a un autre gros diamant. Allez,
Bien à toi, conquérant de Mars. Oui, c'est total recall, total. Les relevés s'affolent. La tour est... J'y vais. Active. Ouais. Je vais aller faire un tour, moi. Entre dans la tour par la grande porte située sur le site d'atterrissage. Ah, mais il y a encore une tour. Ok. Donc, il n'y avait rien là. Je vais aller voir, parce que je suis super curieux. Comment ça, c'est risqué? Je pourrais ne pas arriver à remonter? Pensez-vous? Il y a un truc, là. Je suis un explorateur, les gars. Faut que j'explore. Putain, il n'y a rien. Je suis déçu. Comment je remonte? Les gars, je remonte comment? Mon super saut va-t-il suffire? La suite après la pub. Je recharge, on y va. Dans 165 mètres, nous allons avoir la réponse à tout. Alors absolument tout. Ah bah faut que je retourne au QG, dis donc. Alright, tonight. Un petit coup de boost encore, tiens. Allez. Oui, on n'est jamais assez boosté. Je vais aller déposer mes ressources avant de les paumer. Je vais fabriquer une amélioration avant de crever. Non, j'ai pas des idées noires. J'ai juste besoin de mon amélioration. Un stabilisateur de bombe. Ok, donc les dépérissantes, c'est celles qui font du gaz, il me semble. Moi, je confonds avec celle-là. Le fruit électrique, non, c'est bien ça. Donc maintenant, je vais pouvoir jeter du poison. Je sais pas si c'est merveilleux, mais si je peux le faire, c'est qu'apparemment, il y en a besoin. Et on va aller où? Entrer dans la tour par la grande porte. Oui, madame. C'est parti. Oui, j'avoue que c'était pas vraiment explicite et que j'ai tourné un petit peu avant d'aboutir à cette conclusion. Donc, faut changer de niveau totalement. Pour pouvoir déclencher la suite. C'est moche. Alors, 103 mètres. Chouette de la varap, comme j'adorais. Ah oui, c'est où on était avant, ça. Ouh là là, mais ça remonte à longtemps, je me rappelle plus de ce niveau. Et effectivement, j'étais pas allé sur ce côté-là. Ça va promettre. De la varap, tu aimes ça? Ah oui. Bonjour. Alors je vous rappelle que j'ai une très forte envie d'explorer cette zone puisque on m'a promis que je rencontrerai Boule de Viande, qui est un sobriquet quand même assez affectueux pour une bestiole qui doit l'être énormément, je pense. J'ai super envie d'y aller. Enfin, on va allumer 2-3 cierges et on y va. Oh, c'est qui ça? Ah, fallait que j'essaye. Je suis désolé. Bon, ça sent le bonheur par ici. On va y aller sans trop réfléchir. Eh, mais c'est quoi cette odeur? Je veux dire, il y a comme un... Vous sentez? Oui. Peut-être une fabrique de plougues. Mais pas si mauvais, là, parce que si tu meurs, ben, je
Mais arrête avec ça, je sais plus à combien de clones on en est, je veux retrouver ma forme originale, je perds des pourcentages d'authenticité à chaque fois. Ah, au moins elle va se taire, c'est la bonne nouvelle. Bonne chance, ça c'est la moins bonne. Oïe, 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 j'aime pas ça. Hop, ça c'est check. Qui veut m'emmerder encore? Il y a un truc qui me cherche. Je sais pas où, mais... Tais-toi, toi. Toi aussi. Shut the frag up. On va se mettre sur le côté, puis on va analyser ce qui se passe un petit peu avec du recul. Hein? Avant de s'affoler, de courir dans tous les sens en gesticulant et en faisant des... Ah, ça, j'aurais peut-être pas dû toucher. Ah si, peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment c'est pour faire les courses. Descendre plus bas? Non, pas tellement envie. Hein. Et pourtant... Ok, je peux pas les flinguer comme ça. La réponse est immédiate, ok, merci. Alors, pourquoi tirer dans ces trous? Je ne sais pas trop. Moi, je vais bêtement suivre le chemin, péter tout ce qui est pétable. Trouver le secret à proximité. Oui, je suis pas du là, j'aurais me laisser faire. De préservation intacte. Des milliers de graines. J'ai pas envie de trop savoir ce qui va se passer. Ça a pas l'air très stable en plus. Et puis je sens qu'il va falloir remonter Fissa. Et quand vous connaissez mes talons pour la varap dans ce jeu. Oui, je vous permets de rigoler d'avance. Il va vraiment y avoir de quoi. Est-ce que j'ai flingué un peu tout ce qu'il y avait là? Je sais plus. C'est quoi ça? Celle-là, elle emmerdera plus personne. Je crois que j'ai énervé quelqu'un ou quelque chose, ou je sais pas quoi, c'est où? Je vois pas où, c'est dessous, c'est dessus. On va se mettre dans un coin, on verra bien. Hop là. Là je peux pas y rater, c'est au-dessus. Je vais pas crever à cause d'une merdouille comme ça quand même, les amis. Voilà. Apparemment, c'est toutes les boules jaunes hein, qu'il faut vraiment que je trouve. Il va m'amuser ce petit bout jaune là qui jouait cache-cache. Méchant. Hein. Donc maintenant faut que j'en trouve encore. Apparemment ça n'a pas suffi. Oui, je me suis un peu fâché. Ah, ça me dit quelque chose. C'était galère pour rien là. C'est moi. Regardez-moi tous ces... Je vous laisse interpréter. D'accord, donc je dois réactiver à chaque fois ce truc-là au milieu. On va voir ce qui se passe. Plof, 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 laissons faire les choses. Les trucs qui se pètent, il n'y en a pas. Un peu de varap, les trous de balles, je pense pas qu'on... Ah, je l'ai dit, ça y est. Dites-moi pas que vous pensiez pas à ça, quoi. Ça se neutralise pas. Bon, c'est une bonne chose à savoir. Je crois que je vais me faire chier sur la gueule. Hein. On va utiliser l'expression adaptée. Ça, c'est pour les graines. Non, les graines. Non, les graines. Oui, les graines. Plodge, je m'en fous une, ça pourra servir. Eux, ils ont l'air vénère. Donc, je vais les calmer direct. Hein. Parce que je suis pas là pour faire le moniteur de vacances de colo. Bien joué! Comme un pro.
Il y a encore des trucs électriques. On sait pas trop pourquoi, mais ils y sont. Et je vais tout péter, je vous garantis. Oui, je suis un petit peu comme ce chanteur célèbre qui est mort dans une moissonneuse batteuse volante. Je vais tout casser et... Regardez, c'était là. Et oh! What the frag, les gars? T'as reçu, toi? Laisse-moi finir ça.